Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du 18h42. Dans l'actualité d'aujourd'hui, Geoffrey couche partout a couché avec Elisabeth, notre reporter. Son mari, les ayant surpris, a fait fuir Geoffrey. Il est toujours en recherche. Dans la vallée du Simflouz, un mouvement manifestant s'est levé contre la hausse du prix du chocolat aux céréales 100% pur blé, une hausse qui ne fait pas plaisir aux Sims. Le champion du monde de plantation de fraises, Lionel Poirot, a de nouveau gagné au championnat de Bruxelles pour avoir fait pousser des fraises au goût de framboise. Les courses de Noël sont toujours d'actualité à quelques jours de Noël, tendance de l'année, l'arbre à Simflouz électronique. La pollution actuellement de notre ville est en hausse due à la production excessive de téléviseurs Plenosa Industries pour Noël. Hier soir, départ de la sonde Grosse Boulette en direction de la Lune pour prouver une bonne fois pour toutes que la Lune est faite de fromage, et pas n'importe lequel, du fromage de chèvre. Et nous retrouvons tout de suite Elisabeth en direct de New Simflouz pour nous raconter les faits. Elisabeth, bonsoir. Nous avons appris la nouvelle. Comment interprétez-vous les faits ? Salut Benji. Alors moi, je le dis tout de suite, je n'y suis pour rien. Tout est de sa faute. Très bien. Votre mari était sur les lieux lors du drame. Comment a-t-il réagi ? En effet, il était sur les lieux. Et là, oh merde alors, il a mal réagi. Oh ça c'est sûr, mais bon, le plus important c'est que je suis pour rien. Ok, il paraîtrait aussi que des voisins vous auraient surpris. Comment expliquez-vous cela? Ah mais c'est Martine, non c'est ma pote, elle regardait juste la télé. Très bien, je vous remercie Elisabeth et bonne continuation. Merci, mais c'était pas ma faute de toute façon. Oui on a compris, merci, c'est bon. Le prix du chocolat est encore en augmentation, un reportage de David plein de fric. Du blé, encore du blé, et pourtant un prix toujours en hausse depuis 2 semaines. L'effet s'explique par une pollution trop grave de l'air agissant sur l'albumène, dénaturant le bon goût du blé Sims. Merci David. Hier soir, une sonde spatiale est partie en direction de la Lune pour prouver une bonne fois pour toutes qu'elle est faite de fromage. Voici les images. Vas-y, dépêche-toi, mets-le là. Nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Il y a des difficultés techniques qui nous empêchent de finir notre journal. En tout cas, merci d'avoir suivi. Tout de suite, votre téléfilm. Nos chers Plenosa, suivi du journal du 19h59. Vite, le générique avant que ça coupe! Ah là là, allez les amis, en tout cas, j'ai fait toute cette vidéo pour vous dire merci, franchement, 1000 abonnés, waouh. Dans ma tête, j'en suis encore à 150, ça passe juste hyper vite, c'est génial, merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que 1000 personnes aiment ce que je fais, c'est waouh, merci beaucoup, ça me donne une pêche, mais vous pouvez même pas vous imaginer le degré hein, de cette pêche pour continuer. Faire des trucs encore plus cool, encore plus fun, en quantité astronomique, enfin bref, des choses encore extraordinaires dans le futur de ma chaîne les amis. Merci beaucoup et à la prochaine, ciao bye bye.